Le philosophe qui occupait des fonctions dans la fondation de Nicolas Hulot a pris ses distances et annoncé ce vendredi s'engager en politique aux côtés de l'ancienne ministre socialiste de l'écologie Delphine Batho, avec qui il va présenter très probablement une liste pour les élections européennes en mai prochain. Dominique Bourg, qui déplore la situation à contre-emploi dans laquelle Nicolas Hulot s'est retrouvé au sein du gouvernement, a toujours foi en Nicolas Hulot, qui a fait son retour médiatique après sa démission fainéante, sur France 2 hier soir dans l'émission politique. Quelle solution alors? Pour Dominique Bourg, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas la réponse, déjà parce qu'il ne s'agit pas, selon lui, d'un ensemble, il en déplore au passage les débordements et les comportements homophobes, racistes et violents dans certains points de rassemblement, mais aussi parce que c'est difficile, en France, de jouer sur les prix. Lui propose, dans une tribune signée sur le média en ligne AOC, un ISF vert pour financer la transition écologique,